Suis-moi sur ton micro, s'il te plaît. Pardon, il n'était pas activé, autant pour moi. Alors, je disais que j'étais très heureux d'être avec vous ce soir. C'est superbe. Il y a une petite ambiance musicale, ça fait plaisir. Et je vous souhaitais la bienvenue et je vous propose de mettre dans le chat de quelle ville vous êtes à chaque fois. Comme ça, moi, j'apprends à vous connaître. Donc, bonsoir, Monique. Est-ce que c'est Monique avec qui on avait échangé sur le Facebook? Et après, je crois que tu as continué la conversation avec Taïb. Génial, super. Voilà, mettez la vidéo pour ceux qui veulent. Moi, j'aime bien comme ça, on peut se voir. On est entre nous, les amis. Hein. C'est la famille. On est entre nous. Bonsoir, Ajnan. J'ai compris que tu étais de Tanger. Dis-moi ça. Félicitations. Je crois que tu as déjà passé le rang de Jade, de ce que vient de dire Taïb. Donc, bonsoir, bien sûr, notre cher Taïb, notre pionnier du Maroc, notre grand leader. Il va vous raconter. On va co-animer. Hein. Taïb, je vais faire un peu le départ, puis après, on va co-animer ensemble avec le D'accord. comité. Mais on a plein de choses à vous dire. Taïb, on a plein de bonnes nouvelles. Bien sûr, c'est Que sûr. des bonnes nouvelles. Que des bonnes nouvelles. Alors, donc, bonsoir Monique, bonsoir Ajnan. On a Malika. Bonsoir Malika. Comment ça va? Est-ce que la famille va bien? Donc, bonsoir Jamila, bonsoir Nabila, bonsoir Ella. Ah, donc, on a aussi la Tunisie avec nous. Bonsoir Ella de la Tunisie. Bonsoir Tourstil. Dis-moi aussi d'où tu viens. Bonsoir Bouchra, Abdel, Azizi, Damour. C'est joli. Bonsoir Damour. Bonsoir Docteur Hassan qui est avec nous. Très bien. Bonsoir Zaina. Bonsoir Sader. Alors moi, je dis ce que je vois au départ. Je ne sais pas si ton prénom, c'est Sader ou Najia. En tout cas, bonsoir. Et ensuite, bonsoir. Là, j'arrive pas à lire. Est-ce que tu peux m'aider, Taïb? C'est écrit en arabe. Est-ce que tu peux m'aider à lire le prénom de… C'est Raouda, c'est Raouda, la Tunisie. Raouda. Très bien. Bonsoir, Raouda de la Tunisie. Ah ben, ça fait plaisir. Bienvenue. Voilà. Excellent, bonsoir, bonsoir, très bien. Alors, donc, on va voir un petit peu les villes. Donc, on a la Tunisie, effectivement. Hop, on a du, bien sûr, Casablanca. Rabat, Tour Stylé de Rabat, très, très bien. Donc, Rabat, c'est assez proche pour toi, hein, pour venir à Casablanca. Ça, c'est très bien. Casablanca, Agadir. Bon, Zaina, tu es de Agadir. Donc, Agadir, il y a un petit peu plus de… Je me rappelle quand on était allé à Agadir avec Taïb et Ouais. d'autres. On avait fait de la route. C'est un petit peu plus loin. Mais tu verras. Plus vous venez de loin, plus vous allez savourer l'événement. C'est ça qui est génial. Plus vous venez de loin, plus vous allez savourer. Alors, je suis sûr que est-ce qu'on dit les Casablancais, les Casablancains, les gens de Casablanca, comment on les appelle? Les Casablancais. Les Casablancais vont aussi adorer, bien sûr, l'événement. Mais ceux qui viennent d'encore plus loin, vous allez savourer encore plus l'événement. Ah, yes! Bravo, Monique. Minibus depuis Marrakech avec ton équipe. Excellent. Bravo, oui, il m'a déjà annoncé. Ça, c'est bon, Monique. Ça, c'est du leadership. Bravo. Voilà. Ça, c'est du leadership. Donc, ce coup-ci, c'est un minibus. Le coup d'après, ce sera un bus. Et le coup encore d'après, ce sera carrément l'avion entier. Voilà. Exactement. Marrakech. En plus, il y a du monde. Et vois peut-être avec… je ne sais pas si le minibus est déjà plein. Mais il y a aussi Jalila. Jalila dans l'équipe de Tania. Avec elle aussi. Excellent. Génial. Bon, ben, tu sais quoi? Nous, on va discuter un petit peu avec Taïb, avec Dr Hassan, avec les leaders du comité d'organisation de l'événement. On va prendre un peu la parole, on va vous expliquer tout ça. Et à la fin, on va ouvrir les micros. Si vous avez des questions pratiques, comme là, peut-être faire du covoiturage, Monique qui emmène déjà des équipes, ça, c'est génial. Donc, s'il y a des choses pratiques, des questions concrètes, on va rouvrir les micros à la fin. Voilà. Alors, je sais qu'on est samedi soir. Je sais que bah, c'est aussi un temps, c'est important aussi de profiter des fois de la famille ou peut-être qu'il y en a qui sont en week-end. Donc, pour les personnes qui ne peuvent pas se connecter, Taïb, je sais qu'il est en train de faire l'enregistrement. Parce que toutes les infos qu'on va donner sont très précieuses. Et donc, si vous pouvez les rediffuser à vos équipes, c'est important. Donc, bah, écoute, on y va. Moi, ce que je fais, Taïb et Dr Hassan, je partage, j'avance. Et vous prenez le micro à tout moment pour compléter, ajouter. Hein, surtout quand on va parler du détail de l'événement, de l'organisation, de toute la journée. C'est important que vous puissiez aussi communiquer parce que vous êtes les co-organisateurs. On organise tout ça ensemble. Alors, Exactement. l'idée, moi, j'ai noté avant de vous montrer un peu le programme de samedi prochain. J'ai noté déjà trois petites choses, d'accord? Trois points importants. Okay? Le premier point, c'est le timing. Le timing, vous savez ce que ça veut dire en anglais? C'est le moment, c'est le bon moment. Quand on dit qu'il faut démarrer un business dans le bon timing, c'est-à-dire qu'il faut le démarrer au bon moment. Si vous aviez démarré il y a 4 ans, comme notre cher Taïb, ou il y a 2 ans, ou peut-être 3 ans, Rassane, peut-être 3 ans, je ne sais même plus. 2018, hein? Ouais, ça fait 3 ans. Oui.
Donc, Taïb, en fait, ça doit faire 5 ans et Dr Hassan, 3 ans. Si vous aviez démarré il y a 3, 4 ou 5 ans, franchement, ce n'était pas facile parce qu'il fallait être patient, persévérant, il fallait garder la vision, il fallait continuer à garder l'énergie et transmettre une vision, un projet qui allait bientôt arriver. Donc, ça, ce n'est pas évident. Donc, démarrer avant, ce n'était pas évident. Démarrer dans 1 an, dans 2 ans, bien sûr que ça sera génial. Si vous démarrez dans 6 mois, dans 1 an, dans 2 ans, ça sera génial pour tous les gens qui arriveront après. Mais l'inconvénient, c'est que le momentum de départ sera déjà passé. Donc, le meilleur timing pour moi, c'est maintenant. Pourquoi? Parce que c'est maintenant qu'on va commencer à créer le vrai momentum. On a eu une annonce, bien sûr, de jeunesse qui nous a dit, ça y est, on peut faire un premier, moi j'appelle ça plutôt un pré-lancement. On peut commencer déjà à faire des premières commandes. Hein, vous le savez, on peut commencer déjà à commander. Les produits sont arrivés, ils sont bien dédouanés. Les homologations sont faites depuis 1 an. Les produits sont au niveau de notre stockiste Hanis Machfer à Fès, d'accord, dans notre chère ville de Taïb et Dr Hassan. Donc voilà, tout est sous contrôle. Les colis sont bien envoyés par le système Amana. Les paiements se font par virement bancaire. Donc on veut dire que c'est le pré-lancement, on peut déjà lancer, c'est déjà très bien. C'est même excellent par rapport à ce qu'on avait il y a 4 ans, 3 ans, 2 ans, 1 an, on n'avait rien encore. Donc là, c'est déjà très bien. Maintenant, pour moi, ça, c'était le pré-lancement. C'était pour, on va dire, préparer un peu la machine. Mais le vrai lancement, ça va être justement à partir du 6, à partir du samedi prochain. D'accord? L'idée, c'est quoi? C'est que pendant ces 2, 3, comment dire, pendant ces 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, même 5 ans, le gros avantage, c'est que ça a permis à des centaines et même des milliers, hein, parce que Taïb, il a des milliers de personnes dans son groupe. Ça a permis quoi? Ça a permis à ce qu'il y ait déjà des milliers de personnes qui entendent parler de jeunesse, qui testent quelques produits, qui maîtrisent, comme le docteur Rassan notamment, et bien d'autres, qui maîtrisent vraiment la technologie, les effets, les expériences produits, d'accord? Et plein de gens parmi vous qui aussi maîtrisent le plan de rémunération, le business et comment partager ce business et cette vision. Donc, c'est pour ça que le momentum, maintenant, il est prêt pour démarrer, parce que pendant toutes ces années, il y a eu un travail de formation, d'information, un travail de fond pour inspirer un maximum de leaders, de pionniers, de gens qui ont cette vision comme vous ce soir, à ce que le jour où ça va vraiment décoller, vous êtes déjà prêts. Vous n'aurez plus besoin de vous former, vous connaissez déjà les produits, vous connaissez déjà le plan de rémunération. Vous avez déjà des leaders, vous avez déjà toute une organisation qui est prête. Vous avez le site en plus avec la plateforme de e-learning de l'Académie et vous avez des top leaders comme Taïb, Dr Hassan et tout le comité d'organisation. Amina, voilà, qui est avec nous. Je vois pas, n'hésitez pas à mettre vos vidéos, tous ceux qui veulent participer aussi. Amina qui est avec nous, on a aussi Zineb, on a aussi alors Hayat, j'aurais pas dû m'aventurer, on a Mohamed Elasri de Agadir, on a bien sûr Jalil, on a Zineb et son mari Azedine. Est-ce que j'ai oublié quelqu'un, Hassan? Donc on a Taïb et Docteur Hassan, bien sûr. C'est bon, j'ai tout dit. J'ai oublié personne. Oui, et bien sûr, Ilias de Tanger. Donc là, nous avons les top leaders qui font partie du comité d'organisation et on travaille, j'ai envie de dire, tous les jours et on se regroupe quasiment tous les soirs pour préparer un événement génial et extraordinaire et magnifique pour vous et vos invités. D'accord? Et notamment, on remercie particulièrement Hayat, Amina et Jalil aussi, hein, qui sont vraiment à Casa et qui, eux, vont sur place pour faire les réservations d'hôtels, pour vraiment voir tous les détails, faire tout ça. Donc, tout ça pour vous dire que pour moi, le momentum, ça va démarrer le 6. D'accord? Donc, si je reviens sur le timing, c'est le bon timing. D'une, le pré-lancement a été fait. On a formé des gens et des milliers de personnes. Donc, maintenant, ça y est, il y a une grosse énergie de gens, non pas juste motivés, mais de gens bien formés, de gens compétents, de gens professionnels comme vous. Ça, pour moi, c'est très important. D'accord? Donc, quand il va y avoir maintenant le volume, vous êtes formés pour accueillir le volume. Okay? Et de deux, pourquoi c'est le bon timing? Parce que, malheureusement, j'ai envie de dire, mais c'est la vie. Avec tout ce qui se passe depuis mars 2020, d'accord, de tout ce qui se passe au niveau même de la planète entière, mais si on reste sur le Maroc, qu'est-ce qui se passe au Maroc? Il y a des, non pas juste quelques milliers, mais il y a des millions de personnes qui ont maintenant compris que, bien sûr, que s'ils peuvent reprendre leur travail dans des conditions comme avant, c'est bien, mais ils ont compris qu'on ne pourrait pas revenir forcément comme c'était avant, dans les mêmes conditions. Et ils ont compris qu'il faut absolument, c'est même plus une option, c'est une nécessité, il faut diversifier ses revenus, il faut trouver une solution pour depuis la maison, trouver un business au cas où il y a quoi que ce soit à l'extérieur. Et notamment un business en ligne, un business qu'on peut faire depuis chez soi et un business qui ne va pas dépendre d'un couvre-feu, d'un confinement, d'un pass ou de quoi que ce soit. Donc ce type de business, c'est du digital.
ce type de business, c'est de la boutique en ligne. Ce type de business, c'est du jeunesse, si vous voyez ce que je veux dire. Donc, avec jeunesse, c'est, si vous regardez tous les business qui avaient des lieux physiques, qui avaient des boutiques, ils ont tous baissé, voire même, malheureusement, beaucoup ont fermé la boutique, alors que tous les business en ligne, ils ont explosé. Et nous, l'avantage qu'on a dans le marketing de réseau, on fait du business en ligne, mais c'est pas que des autorépondeurs, c'est pas que des systèmes de tunnels de vente, c'est pas que des choses automatiques, un peu informatiques ou digitales. Il y a de ça, et en plus, il y a de l'humain. Parce qu'on se retrouve pratiquement, enfin, moi, tous les jours, je vois des gens en face à face, des gens en groupe comme vous ce soir. Donc, on fait beaucoup d'humains, même avec le digital, on fait beaucoup d'humains. Et bien sûr, après, on a des process digitaux pour créer de la duplication, pour créer du chiffre d'affaires, pour créer des revenus récurrents, des revenus résiduels. Donc, si je résume, c'est le bon timing parce que votre équipe, elle est plus que prête, elle est plus que formée. Vous avez des top leaders qui vont animer, qui animent déjà et qui vont animer des Zooms et qui vont animer des réunions physiques quand ça sera possible, bien sûr. Et en plus de ça, eh bien, la planète entière est prête maintenant depuis un an et demi à faire du business en ligne, à travailler depuis chez soi. Et tout le monde a besoin d'un revenu, d'un deuxième, voire d'un troisième revenu pour assurer les arrières et pourquoi pas pour faire une liberté financière. Donc, encore une fois, c'est le bon timing. Ensuite, deuxième point important, par rapport au 6 novembre. Vous savez que c'est dans une semaine. Okay ? Il nous reste une semaine. Dans une semaine, on vous a organisé un événement et cet événement, normalement, tous les événements jeunesse, que ce soit organisé par la corporate, donc par jeunesse, ou que ce soit organisé par des leaders sur le terrain comme nous, normalement, c'est évident, c'est payant, un événement, parce qu'il faut bien participer aux frais de la salle, aux frais de l'organisation, aux frais de tout ça. Donc, normalement, c'est payant. Et là, je pense que vous l'avez bien vu, peut-être qu'on ne l'a pas assez mis en gros, en clignotant, mais j'ai vu aussi ta remarque, Dr Hassan, donc on va voir dans un instant. Mais retenez bien une chose, donc dites-le vous pour vous, mais à toutes vos équipes et tous vos invités. Là, on a tout organisé pour que ce soit gratuit. Gratuit pour vous, gratuit pour vos invités. D'accord ? On a décidé d'investir. Pourquoi ? Parce que ça fait 5 ans qu'on vous dit que ça va venir et que ça a pris du temps. Et donc, la moindre des choses qu'on s'est dit, c'est que on investit, c'est nous qui finançons. D'accord ? Et bien sûr que les événements suivants, tout le monde pourra participer. Ça, c'est normal. Chacun participe au business collectif. Mais là, pour la première, c'est gratuit. Donc, profitez de cette gratuité, déjà d'une pour venir, mais de deux, pour faire chauffer le téléphone, c'était mon troisième point. Faites chauffer le téléphone à fond, à fond, à fond pendant une semaine, d'accord ? Il nous reste exactement 7 jours, parce que ce soir, ça ne va pas compter. Enfin, si, vous pouvez encore appeler ce soir, on n'est jamais trop tard. Bref, il nous reste 7 jours plus ce soir pour faire chauffer le téléphone, bombarder, inviter un maximum, d'accord ? Même les gens que vous n'avez pas parlé depuis longtemps, vous leur mettez juste un petit texto, un petit message, un petit messenger, un petit message sur Insta, en leur disant, écoute, qu'est-ce que tu fais samedi prochain ? Dis-moi juste, qu'est-ce que tu as prévu samedi prochain ? Est-ce que tu es dispo ? Ok, eh bien, même si tu as prévu quelque chose, annule tout. Il y a quelque chose d'extraordinaire, il y a quelque chose d'inédit, il y a quelque chose de magique qui se passe samedi prochain. Fais-moi confiance, je t'envoie 2-3 petits teasers. Là, je vais vous montrer ce que vous pouvez envoyer. Et tu me rejoins, je vais inviter du monde. Je serai honoré, ce serait un privilège pour moi que tu puisses venir pour découvrir le lancement d'une gamme magnifique, révolutionnaire pour rajeunir. D'accord ? Grâce à ça, on va pouvoir vivre beaucoup plus longtemps et beaucoup plus jeune et se sentir vraiment bien un maximum de temps avec des docteurs, avec des produits scientifiques, avec des produits basés au niveau des cellules souches, technologie des cellules souches. Donc, voilà, viens avec, déjà pour découvrir ça et aussi viens pour voir, pour trouver une solution concrète pour faire des compléments de revenus, pour assurer tes arrières si peut-être toute cette crise sanitaire et crise économique, hein, malheureusement, ça a une influence sur l'économie mondiale. Eh bien, si tout ça se prolonge et même si ça va de moins en moins bien, tu auras vraiment toujours de quoi nourrir ta famille avec ça. Et si tu as vraiment des grands projets, des grands rêves, tu peux aussi, bien sûr, aller chercher une belle indépendance financière. Donc, tout ça, vous n'êtes pas obligé de dire tout ce que je viens de dire, mais mettez l'énergie, faites avec vos mots, avec vos expressions, avec votre cœur, racontez, envoyez une photo ou deux de vous. Et pendant une semaine, vous mettez le feu à tout le monde pour inviter un maximum de gens. Mettez-moi dans le chat qui a déjà pris son ticket ou son billet gratuit. Mettez-moi dans le chat qui a déjà réservé son billet gratuit pour samedi prochain. Donc, je sais que Taïb, il a déjà fait, c'est sûr. Rassan aussi. Amina, bien sûr. Voilà.
Je vois pour ton micro, est-ce que tu as un problème? Voilà, peut-être comme si moi j'ai un problème de connexion. Et pour bien dire les choses en tel qu'il est, ben, à propos de cette gratuité, c'est grâce à monsieur, c'est lui qui a tout pris en charge. Et ça compte beaucoup et c'est un geste à ne pas oublier, hein. Merci, monsieur Mathieu. Merci. Ton micro, monsieur Mathieu, ton micro. Ah, tu as un problème? Oui, attends. Effectivement, Monsieur Tayeb. Bonsoir, Exactement. bonsoir à tout le monde. C'est toujours agréable d'être ensemble. Et comme tu as dit, c'est gentil, bien sûr, de l'appeler Mathieu. Et c'est ça la beauté de notre projet. Quand on est ensemble, on s'aide. On va avancer dans les rangs et on va aider les autres, comme il fait Mathieu. Et ça, c'est très important. Il n'y a pas d'égoïsme, il n'y a pas de concurrence, il n'y a pas de compétition. Et c'est ça la beauté du projet. Est-ce que le son est clair, Monsieur Taïb? Oui, c'est clair. Juste, monsieur Mathieu, tu peux ouvrir ton micro. OK, Voilà. là, ça y est, c'est On bon. s'excuse. Génial. Non, mais c'est en fait, c'est mon ordi. Il y a eu un petit bug sur l'ordi. Donc, allez-y, continuez et je vous rejoins sur l'ordi, ce sera plus simple. Continuez, continuez. J'arrive. D'accord. Oui, vous pouvez continuer, monsieur Hassan. Oui, et ça, ce que j'ai dit, je disais comme quoi c'est ça la beauté du projet, et c'est ce qui est fascinant, parce que comme on sait que on commence avec rien, pas de savoir-faire, et on apprend de zéro, on apprend en gagnant, et petit à petit, là, quand on veut, là où on veut et avec qui on veut, et c'est ça la beauté, on s'aide entre nous. Alors, c'est ce qu'il faut passer comme message. Parce qu'il y a des gens qui disent non, parce que, ou bien par ignorance, ou bien par peur de manque de confiance en eux-mêmes, ou bien par ignorance du marketing de réseau. Donc, plus qu'on apprend, nous, pour passer un bon message, plus qu'on aura des bons résultats. Donc, au début, si on a des noms, ça ne veut pas dire que c'est personnel. Ça veut dire qu'on doit s'améliorer à faire passer le bon message. Parce que la subconscience des gens, ils filtrent quand ils entendent des choses qui ressemblent à des choses en passé. Ils pensent comme quoi c'est peut-être de la vente, de quelque chose qu'ils ne veulent pas, ou bien c'est quelque chose de difficile, ou bien c'est de l'arnaque. Donc, toujours, toujours, il faut apprendre. C'est ça le pilier de notre business. C'est l'esprit, le mode d'esprit, la mentalité, mindset positif et le savoir-faire. Et il faut apprendre. Même si ça prend un peu de temps, même si on fait des fautes, c'est pas grave. C'est pas grave. Quand on fait des fautes, c'est là où on est sur la route du succès. Il faut pas reculer. Si jamais un ou deux ou trois ou 10 disent non, ça veut pas dire que le projet il est défaillant. Non, ça veut dire qu'on n'a pas bien passé le message, ou bien ces gens-là, peut-être, ils ont d'autres obligations, ou bien ils n'ont pas bien reçu le message. Donc, il faut toujours travailler sur ça. Et j'espère que dans notre première convention, ça va être l'étincelle pour décoller comme il faut. Surtout, on a des gens très bien avec nous dans tout le Maroc et dans tout le monde. Donc, voilà. Donc, il n'y a pas de haine ici. Il y a toujours un amour. Même si quelqu'un. La perception n'est pas toujours la réalité. Parfois, on pense qu'on croit qu'on est lésé par quelque chose, mais non. Il faut toujours avoir le cœur net et affronter avec amour. Et voilà, c'est ce que j'ai à dire. Je ne sais pas si Mathieu il est prêt maintenant. Je ne veux pas prendre la parole. Ça va, il est prêt maintenant. C'est bon? Ça marche? Vous m'entendez? Oui. Génial. 5 sur 5. Merci beaucoup, Hassan. C'est super. Donc voilà, ça c'est ce qui se passera le samedi prochain.
Vous allez voir, il va y avoir plein d'intervenants. Maintenant, je vais vous montrer le programme et on va voir pour les inscriptions si tout se passe bien pour tout le monde. Mais en tout cas, il va y avoir plein d'intervenants, il va y avoir des surprises, il va y avoir voilà, une belle, très belle animation. Donc, encore une fois, non seulement, du coup, j'ai pu les commentaires. J'imagine que vous m'avez mis qui a déjà pris ses billets et tout. Donc, j'imagine que vous avez pris vos billets. Et maintenant, comme je disais tout à l'heure, il nous reste une semaine, allez, 7 jours concrets, tous les jours pour inviter un maximum de gens. D'accord ? Donc là, vraiment, même des gens que vous n'avez peut-être même pas du tout pensé à appeler jusque-là, c'est l'occasion de les inviter. En plus, vous pouvez leur dire, vous allez voir dans le programme, il va y avoir un café avec des petites choses à manger, tout ça. Donc, en plus, si ça ne les intéresse pas le business, au moins, ils passent un bon moment, il y aura de la musique, il y a tout ce qu'il faut. D'accord ? Donc, invitez-les au moins sur le fait qu'on va passer un bon moment. OK ? Aucune obligation d'acheter quoi que ce soit, aucune obligation de démarrer un business, juste passer un bon moment. Okay. Alors, maintenant, pourquoi je dis aussi qu'on va lancer ce momentum à partir du 6? Parce que le 6, comme c'est très bien, Rassane, l'idée de l'étincelle. Ça va être l'étincelle. Mais l'étincelle, ce n'est pas encore le feu. L'étincelle, c'est le début. Donc, c'est le début du momentum. Momentum, est-ce que tout le monde sait ce que c'est le momentum? Momentum, c'est quand il y a eu une préparation, il s'est passé quelque chose, quand on démarre une société, un business ou quelque chose qui a tendance à croître, ben, au début, ça peut mettre beaucoup de temps. Donc, au début, c'est très, très… Ça ne bouge pas beaucoup. Après, ça commence à monter léger, mais ça reste… C'est encore les préparations. Hein, c'est la phase de préparation. Et tout d'un coup, une fois que ça y est, ça commence à chauffer. Et tout d'un coup, boum, ça part à l'exponentiel au niveau de la croissance. D'accord ? Donc, ça, c'est notre équipe, l'équipe de la GTBIS arabe. Ça va faire quoi ? Ça va faire boum, ça va partir à l'exponentiel. Et toute cette phase qui part à l'exponentiel, c'est le momentum. Okay, et c'est là qu'on fait des chiffres d'affaires, c'est là que tout le monde passe des rangs. Donc, on a préparé le momentum et on va commencer à lancer l'étincelle, à enclencher l'étincelle le 6 pour lancer le vrai momentum. Et pourquoi je vous parle de ça? Parce qu'on a demandé, j'ai presque envie de dire qu'on est en train d'insister, même harceler, Khaled Rayati, qui est donc le directeur des opérations sur la partie Maghreb, Maroc notamment, et aussi Kyle Copeland, qui est le président Europe, Moyen-Orient et Afrique du Nord, on les a harcelés parce que quand on a vu la liste des leads, hein, les leads, ce sont tous les événements organisés par jeunesse, ça vient de leadership, lead, et il va y en avoir, donc ça va être début 2022, il y en aura un à Moscou, il y en aura un en Turquie de mémoire, en Antalya, un à Dubaï, un en Égypte, un à Londres, un au Portugal, un en Hongrie, j'en oublie peut-être un ou deux, je ne sais plus, un à Munich, je crois. Bref, il y en aura presque bien partout, c'est génial. Mais il est où le Maroc là? Donc, nous, ça fait 15 jours qu'on les harcèle. Ils nous ont donné plutôt une réponse plutôt favorable, j'ai envie de dire. On n'a pas encore la réponse officielle, donc j'annonce rien. Je vais pas j'aime pas dire quelque chose qui n'est pas encore annoncé. Mais on va dire que c'est plutôt favorable, car il est d'accord. Voilà. Donc maintenant, c'est plus une histoire de concrètement, les dates et puis le lieu. Donc, on en est plus là. Mais dans l'idée, ils sont d'accord. Donc ça serait, nous on a demandé peut-être quelque chose comme fin janvier, hein, pour pas que ça empiète avec les autres leads, mais quelque chose comme fin janvier ou une autre date, mais en tout cas début 2022, que ce soit Jeunesse Corporate qui vienne organiser un événement. Donc là, ils vont louer une salle bien sûr beaucoup plus grande et ils vont accueillir bien sûr toutes les autres équipes. Donc là, ça sera un gros événement organisé par Jeunesse. Et regardez bien le timing, je reviens sur la notion de timing, entre le 6 novembre et… j'ai envie de dire fin janvier ou peut-être même après, mais on va dire déjà même fin janvier. Ça fait combien de temps ça? 3 mois. Novembre, décembre, janvier. Et 3 mois, c'est quoi? C'est un plan 90 jours, ça. Exactement, Monique. Donc, l'idée, c'est quoi? C'est que le 6 novembre, moi, ce que je vous propose, d'ailleurs, on n'en a même pas parlé ensemble avec les leaders, mais nous, on peut décider. On mettra une image où on ira chercher Rassane. Comment on pourrait faire pour faire une vraie étincelle? On amène des silex ou on amènera quelque chose pour symboliser l'étincelle. On lance le plan 90 jours. Et puis, l'aboutissement du plan 90 jours, c'est toujours un gros événement sur lequel on surfe, tout le monde surfe pour inviter. Et pendant ces 3 mois, l'idée, c'est que vous puissiez aller chercher un maximum de rangs pour vous, pour vos équipes, un maximum de bonus, un maximum d'énergie. Et quand on arrive à l'événement, l'équipe de la GTBIS arabe, elle est représentée par des gros rangs, par des gens qui ont plein d'énergie, par un grand nombre de personnes. C'est ça la vision et c'est ça le momentum qu'on va pouvoir créer avec l'étincelle du 6 novembre. Est-ce que ça vous inspire, les amis? Mettez-moi 10 sur 10 si ça vous inspire dans le chat et si ça vous inspire moyennement, vous pouvez mettre 5 sur 10. Donc 10 sur 10 si ça vous inspire. Et on va symboliser, Taïb et Dr Hassan, Amina, est-ce qu'il y a d'autres personnes du comité? On va trouver une idée pour symboliser, pour illustrer une étincelle. Ça peut être pas mal.
À 20 sur 20 pour Monique. Très bien. Donc là, Monique, elle aura deux étincelles. 10 sur 10, génial. Jamila, super. Est-ce que c'est Jamila? Est-ce que je sais qu'il y a plusieurs Jamila? Est-ce que c'est Jamila de Marrakech avec qui tu feras le covoiturage? Je ne sais pas si c'est la même Jamila. En tout cas, voilà, 10 sur 10 pour tout le monde. C'est génial. Allez, maintenant, je fais le partage d'écran. Et là, Taïb, Rassan, Amina, et encore une fois, peut-être que je ne vois pas tout le monde, s'il y a quelqu'un d'autre du comité, ouvrez les micros et ensemble, on va expliquer le programme du 6. Okay? Parce que tout ça, on le prépare ensemble. Donc, vous avez même des superbes idées et vous connaissez en plus bien comment faire la fête à la marocaine. Donc, moi, je vais apprendre plein de choses aussi avec vous. Ça, c'est génial. Donc, je vous fais le partage. Ah oui, et attendez, avant de faire le partage, est-ce que vous avez remarqué que j'ai quelque chose juste à côté de moi là? Hein? Oui. Hein? Oui, alors, le drapeau marocain. Le drapeau marocain. Et vous savez quoi? En fait, vu que je voulais faire, vous savez, la petite vidéo là, pour faire la promotion de l'événement, et je voulais la faire le lendemain matin, et j'ai dit à Julia, donc Julia c'est ma femme, je lui ai dit, est-ce que tu pourrais trouver un drapeau marocain quelque part? Bon, et puis elle s'est dit, voilà, où est-ce que je vais trouver ça? Et elle a dit, attends, bouge pas, oh, je vais le faire. Et donc, qu'est-ce qu'elle a fait avec les enfants? C'est eux qu'on fait le drapeau. Alors, regardez. Donc, je vais vous expliquer comment il a été fait. Donc, déjà, ça, c'est une tige. C'est une tige qui est faite avec, pour ceux qui connaissent, la plante de l'artémisia. L'artémisia, on la trouve notamment à Madagascar. Donc, nous, on a récupéré des graines par un ami. Et puis, lui, il en a fait pousser plein dans le jardin et tout. On a récupéré les graines et tout. Donc, voilà, l'artémisia, en gros, ça, c'est excellent pour plein de choses et notamment pour, on va dire, faire peur au virus qui n'ose plus venir chez nous. Donc, c'est excellent pour renforcer le système immunitaire et tout ce qui est virus. Bon, après, je ne veux pas faire de compétition. On a des super produits avec Jeunesse. Mais c'est juste pour dire que symboliquement, ça représente aussi la santé, cette branche-là. Ensuite, le tissu rouge, là, à votre avis, qu'est-ce que c'est? Eh bien, en fait, c'est un T-shirt. C'est un T-shirt. Alors, au début, quand Julien m'a dit on a découpé un T-shirt, je me suis dit, ah, elle a utilisé le T-shirt Zen, parce que j'ai plein de T-shirts Zen à la maison. Et après, mais non, je n'ai pas osé. J'aurais dit, oh, t'aurais dû, parce que symboliquement, ça aurait été génial. Fait par le t-shirt du Zen. Non, en fait, c'est un autre t-shirt. C'est un t-shirt, parce que Attilus, mon fils, il fait beaucoup de VTT. C'est un t-shirt que ben, quand on fait des compétitions ou quand il y a des festivals. Donc, ça, c'est le t-shirt du festival du VTT. Et donc, symboliquement, ça représente plus, on va dire, la santé. Et ça représente l'énergie, le sport, le rouge. Et le vert, eh ben, en fait, c'est Alaïka, donc les deux filles. Elles ont découpé avec du papier, tout ça, elles ont fait un truc super. Et après, c'est Julia qui a fait toutes les coutures. Parce que bon, là, c'est un peu plus technique, c'est Julia qui a fait les coutures. Donc, ce drapeau, ça a été fait maison, fait par la famille. Et vu, comme je disais hier soir, on a fait aussi un Zoom, vu que Jeunesse, c'est une famille qui a créé Jeunesse. Les fondateurs, c'est Randy, Wendy, donc c'est un couple. Le fils, c'est Scott. Et vous savez quoi? C'est pas tout. Ils ont embauché les frangines, les sœurs de Wendy, je crois qu'elle a plusieurs sœurs. En tout cas aussi des cousines. Debbie, c'est le bras droit de Wendy dans la société depuis le début. Donc Debbie, c'est aussi je crois que c'est pas sa tante, c'est sa tante ou sa cousine, je sais plus. En tout cas, c'est quelqu'un de la famille. Bref, ils ont embauché en priorité des gens de la famille. Donc au départ, c'est une impulsion familiale. Et puis ils ont été surpris, ils s'attendaient pas à un tel développement. Et bon, ça s'est développé à grande échelle. Donc maintenant, ils se retrouvent avec 850 employés à travers le monde. Mais à la base, c'est une société familiale. Donc, symboliquement, ce drapeau marocain, parce que pour moi, ça représente 4-5 ans de vision, de nuit blanche avec Taïb et avec tous les leaders qui nous ont rejoints, Dr Hassan, Amina, Zineb, enfin, bref, tous les leaders, je ne cite pas tout le monde, tous les leaders du comité et vous ce soir. Ça représente vraiment beaucoup de sacrifices, beaucoup d'amour, beaucoup de vision, beaucoup de galères, beaucoup d'histoires, beaucoup de CDPV. On vous expliquera le 6. Le 6, on vous expliquera c'est quoi un CDPV. Un CDPV. Ouais. D'ailleurs, ça va vous servir. Je vous ferai une petite formation dessus. Ça va vous servir toute votre vie avec Jeunesse et même dans votre couple, avec vos enfants, avec à tout niveau. Un CDPV, c'est quand il y a deux personnes qui, c'est la vie. Hein. À un moment donné, il y a des choses qui ne sont pas très confortables parce qu'il y a la personne en face, elle a fait quelque chose. Ou dans son comportement, peut-être elle n'a pas fait exprès, mais vous, ça vous a blessé ou ça vous a perturbé, d'accord? Et l'idée, c'est de faire ce qu'on appelle un CDPV, c'est-à-dire de prévoir un moment pour lui dire, alors CDPV, c'est-à-dire comment dire ce que l'on pense vraiment. Comment dire, CD, ce que l'on pense vraiment, PV, CDPV.
Et comment dire ce que l'on pense vraiment? Ça, souvent, ce n'est pas facile à le dire. Souvent, on ne le dit pas, on ne le dit pas, on ne le dit pas, on ne le dit pas. Et le jour où la marmite, elle explose, on le dit, mais là, ça casse tout. D'accord? Donc, l'idée, c'est, avant que ça casse tout, c'est de le dire, mais que ce soit fait de façon, j'ai envie de dire, professionnelle. Ce n'est pas forcément professionnel, mais que ce soit fait dans la bienveillance et que ce soit fait un peu avec un process qui fait que dans ce process, je vous l'apprendrai, nous, on le connaît par cœur, Man Rectail, dans ce process, il y a vraiment un moment où vous allez pouvoir exprimer ce que vous ressentez et non pas attaquer la personne en disant « tu as fait ça, tu me fais ci, tu me fais ça ». Non, là, on est en train d'attaquer l'autre. Dans cette situation, quand il s'est passé ça, ça et ça, voilà ce que moi, j'ai ressenti. Je me suis senti vexé, blessé, touché, je me suis senti humilié. Enfin, après, vous dites ce que vous avez ressenti. Et ensuite, il y a un temps, donc l'autre personne est à l'écoute, ça fait partie du processus. D'abord, elle écoute, elle n'est pas en train de tout de suite faire un débat ou un combat tout de suite. Non, elle est vraiment à l'écoute. Et d'ailleurs, elle n'est pas énervée parce que vous n'êtes pas en train de l'attaquer. Et ensuite, elle sait qu'elle aura un moment, elle aussi, pour dire bah, « je te remercie d'exprimer ça » parce que tu vois, d'ailleurs, moi, je n'avais pas imaginé que tu pouvais ressentir tout ça. Mais dans cette même situation, moi, j'ai ressenti ça, 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 ça et ça. Et à la fin, on trouve une solution commune pour pas que ça se reproduise et même quitte à le mettre par écrit et le signer pour que ce soit carré. Donc, tout ça, vous allez voir que ça va pouvoir vous sauver pas mal de relations en partenariat business et en relations aussi privées, intimes ou avec les enfants, etc. Hein? Voilà. Donc, on y va avec tout ça et je vous refais le partage. Je ne sais plus ce que je voulais vous dire. On va vous montrer maintenant l'événement. Taïb, tu te rappelles des CDP hein? Oui. Il y avait plein de CDP. Il y avait plein de CDP. Parce que, j'ai envie de dire, moi je dis toujours, la beauté dans notre business, c'est qu'on travaille avec les humains. Le plus gros challenge dans notre business, c'est qu'on travaille avec les humains. Donc, et c'est pour ça qu'on ne peut pas réussir à haut niveau. On peut bien sûr réussir à faire quelques compléments de revenus, faire un revenu par les ventes, en restant un peu mécanique, oui. Mais si vous voulez vraiment développer des belles équipes et avoir une belle aventure humaine et aller chercher des gros revenus pour vous et vos équipes, bah forcément, ça demande à progresser, c'est obligatoire, ça demande à progresser aussi au niveau du développement et de la croissance intérieure et personnelle. Et donc, c'est pour ça que ce qui est beau dans notre métier, c'est que plus on avance, plus on veut monter des équipes et tout, bah plus il faut aussi savoir manager, savoir écouter, savoir se remettre en question, savoir aussi être à l'écoute, savoir progresser, savoir prendre son leadership quand il faut, savoir mettre les points sur les i avec bienveillance quand il faut. Et tout ça, ça ne s'apprend pas du jour au lendemain et ça nous permet de grandir au fil des années. Donc, regardez bien, est-ce que déjà tout le monde a bien eu le lien pour pouvoir faire les inscriptions? Ça, je pense que oui. Hein. En tout cas, mettez-moi dans le chat si quelqu'un n'a pas retrouvé ce lien, d'accord? Si quelqu'un est un petit peu perdu pour vraiment faire l'inscription. De toute façon, vous allez voir tous les jours, vous allez avoir une belle vidéo d'un leader du comité qui va vous annoncer, qui va vous faire la promotion du séminaire. Là, aujourd'hui, vous avez vu la vidéo du docteur Hassan, qui nous a fait la super vidéo pour la promotion. Demain, ça sera donc notre très chère Amina. Vous allez voir une belle vidéo de Amina. Et tous les jours, vous aurez une vidéo. Ces vidéos-là, toujours pour vous, partagez à vos équipes et partagez aussi à vos invités. Elles sont faites aussi pour tout le monde. Allez, j'arrête un peu de parler. Donc, ensemble, Taïb, Hassan, Amina et tous les gens du comité ce soir, on va vous détailler le programme. Donc déjà, c'est le 6. Et on a mis de 14h à 19h30. Pourquoi, nos chers Taïb, pourquoi on a mis de 14h à 19h30 et pas de 13h à 19h30? Il y a une petite surprise à 13h. Oui. Je vous l'avais dit. Oui, c'était spécialement, oui, pour faire une réunion avec, à partir je m'excuse, à partir des exécutifs. Exactement. Et donc, ça pour nous, c'est très important. Donc, en fait, l'événement officiel démarre effectivement à 14h. Mais on a ouvert une heure de formation spéciale et très poussée pour les gens qui ont déjà atteint la position d'exécutif et même plus. Si ce soir, il y a des gens qui ne sont pas encore exécutifs ou si dans vos équipes, vous avez des gens qui ne sont pas encore exécutifs, dites-leur que ça leur laisse encore une semaine pour faire l'exécutif. Okay? Et d'ailleurs, ça va être un moteur pour faire l'exécutif. Donc, tous ceux qui n'ont pas encore l'exécutif, si j'ai un conseil à vous donner, faites chauffer encore une fois le téléphone et aidez des gens, peut-être même ça peut être juste peut-être des clients qui n'avaient pas envisagé peut-être même de faire le business. Vous leur dites, écoute, moi, ce que je te fais un beau cadeau,
je t'offre la possibilité d'accéder au produit, mais au meilleur tarif, au même prix que moi. Donc, tu prends juste la licence. En plus, bon, jusqu'à demain soir, elle est à 1 $. Tu prends juste la licence et un petit pack de produits et ça va te permettre d'avoir les produits au même prix que moi. D'accord ? Et peut-être que ce client ou cette cliente, finalement, elle va se dire « Ah, bah ouais, génial. » Et puis, comme ça, elle a déjà sa boutique en ligne et elle peut déjà parrainer si un jour, elle rencontre quelqu'un, même si elle n'avait pas l'intention de développer au départ. Donc, dites-vous que vous avez une bonne semaine pour faire aussi l'exécutif et vous n'allez pas le regretter. On va leur faire un truc très spécial, hein, Dr Hassan, Amina, Taïb, pour les exécutifs. Et c'est normal, vous méritez. Okay ? Et avec vous, les exécutifs, c'est-à-dire que vous avez déjà commencé à partager l'opportunité. Donc, avec vous, qu'est-ce qu'on va faire ? On va aussi bien travailler ensemble pour l'organisation et pour la bonne réussite collective de l'événement. D'accord ? On va voir ensemble justement comment chacun peut amener sa contribution pour que l'événement qui démarre vraiment à 14h puisse se passer dans les meilleures conditions et que tous ceux qui s'en iront le soir à 19h30, vos invités, les partenaires, tout le monde, gardent un souvenir de cette étincelle, de ce pétillement, un souvenir vraiment du grand lancement de jeunesse au Maroc avec une belle équipe et qui repartent avec des émotions. Ils repartent avec un feeling, un ressenti. Waouh, c'était génial. D'accord ? Après les petits détails, et peut-être qu'il n'a pas tout retenu, qu'est-ce qu'il y a dans l'ingrédient, l'ingrédient dans le sérum, il n'a pas retenu les petits détails, ça c'est pas grave. Mais il repart avec voilà, une bonne émotion, il repart avec un bon souvenir. Ça c'est l'objectif. Donc à 14h, on fait l'accueil. D'accord ? Donc à 14h, l'accueil, l'idée c'est qu'il y aura donc une personne, il y aura même plusieurs personnes à l'entrée de la salle. D'accord ? Et l'idée c'est qu'il faut que vous et vos invités soit sur la liste. Ceux qui ne seront pas sur la liste, on leur demandera de toute façon de se mettre de côté, d'attendre, parce qu'ils ne sont pas invités pour l'instant. Ensuite, on fera rentrer tous les autres et on verra à la fin s'il reste de la place. Et selon nos pronostics, ça sera complet. D'accord ? Donc, nous, on ne pourra pas accepter quelqu'un qui n'est pas inscrit sur la liste et qui prenne la place de quelqu'un qui lui a fait qui a été professionnel et qui a fait son inscription. Donc, pourquoi je vous dis ça ? J'avoue, s'il y en a ce soir qui n'ont pas fait leur inscription, c'est urgent de le faire. Et pour vos équipes qui ont dit « Ouais, je viendrai », mais qui n'ont pas encore fait l'inscription, appelez-les ce soir, mettez-leur des messages à fond. Il faut absolument qu'ils s'inscrivent. Parce que s'ils viennent le jour J et qu'ils ont oublié de faire leur inscription, malheureusement, on leur dira de revenir juste à la fin, juste avant 15h, et peut-être qu'il n'y aura plus de place. Okay ? Autre info très importante, là, ce n'est pas l'AG Team Bliss Academy, ni l'AG Team Bliss Arabe, ni tous les leaders qui organisent qui vous demandons ça, mais c'est, j'ai envie de dire, le royaume du Maroc, c'est les règles sanitaires, vous m'arrêtez s'il y a eu du changement, mais qui demandent, qui imposent de montrer le pass vaccinal à l'entrée des établissements comme les hôtels, etc. Donc, c'est l'hôtel, c'est le nouveau hôtel qui aura, je pense, un comptoir avec des agents de sécurité qui vont vous demander le pass vaccinal. Donc, il y en a quelques-uns qui m'ont demandé est-ce que c'est obligatoire, est-ce qu'il y a besoin du pass vaccinal pour l'événement? J'ai envie de dire pour l'événement, non, mais pour l'hôtel, oui. Donc, vu que l'événement est dans l'hôtel, ça veut dire oui. OK ? Est-ce que par rapport à ça, on mettra les micros après ? Est-ce que par rapport à ça, est-ce que ça pose des soucis ? Est-ce que, après, je ne sais pas s'il y a des solutions entre vous pour peut-être, je ne sais pas si un pass vaccinal, ça peut se faire en une semaine. Enfin, après, je ne connais pas les règles au Maroc, donc je vous laisse discuter de ça entre vous. Mathieu, il y a une question de Monique, si tu peux Vas-y. Répondre. Monique, elle a posé une question dans le chat. Monique, oui. La réponse est oui, affirmatif. Il faut que toi… Donc, alors, on va faire la simule dans un instant. Quand on va cliquer sur « s'inscrire », tu vas voir. Tu verras qu'il y a la possibilité de t'inscrire en tant que partenaire jeunesse. Donc, ça, je pense que tu l'as déjà fait. Et il y a aussi possibilité de mettre « invité ». Donc, soit tu envoies le lien, les invités le font pour eux. Mais le plus simple, c'est que tu le fasses pour eux. C'est plus simple. Tu le fais pour eux. Et si tu as 10 invités, bah, tu le fais pour les 10 personnes. Okay, on va faire la simule. Donc, on continue sur le programme. Donc, ça, c'est l'accueil. Très bien. Donc là, ce qui est très important, on vous le redira à 13h pour les leaders, mais ce qui est très important, l'accueil est capital. L'accueil, c'est la première impression. Comment est-ce que vous allez déjà être, peut-être aller même sortir en dehors de l'hôtel pour aller accueillir vos invités, venez rentrer, voilà, ici, on passe par là, venez par ici, hop, et puis vous les invitez. Et après, ce que moi, j'appelle les présentations et l'édification est capital. C'est-à-dire, on va prendre un exemple concret. Monique, mets-moi dans le chat le prénom de l'un de tes invités. Voilà.
Latifa. Donc, parfait. Donc, voilà, voilà ce que tu peux faire, Monique, c'est un exemple. Alors, sauf si tu l'emmènes depuis Marrakech dans le minibus. C'est le cas. Bon, voilà, c'est un cas particulier. Elle fait carrément du covoiturage, elle les emmène. Donc, ça, j'ai envie de dire, c'est l'idéal. Peut-être que même elle va la chercher devant chez elle. Je ne sais pas. En tout cas, l'idée, c'est que dans ce cas-là, bon, ça, c'est idéal parce que, bon, elle va préparer son invité tout le long du voyage. Elle va, en arrivant sur place, elle va pouvoir faire les présentations. Ben voilà, Latifa, je te présente Monsieur Taïb, qui fait partie des top leaders, même c'est le pionnier du Maroc, c'est notre grand sponsor, notre grand-grand-grand-père, comme on dit, dans notre application. Ouais. Il fait partie de l'organisation d'aujourd'hui, c'est lui il a des milliers de personnes dans son groupe. Je te présente maintenant Dr Hassan, je te présente Amina, voilà. Et la présentation et l'édification est capitale, c'est pour ça qu'on a mis une heure d'accueil. Pendant cette heure-là, les gens vont sentir « Ah, ben génial, c'est des gens qui sont super sympas, ils sont accessibles, ils ont l'énergie, ils sont professionnels, mais en même temps, ils sont accessibles, tu vois, ça, on peut parler tout. » Et nous, on sera là, notre but, c'est de rencontrer un maximum de vos invités, parce que quand ensuite, on va passer sur scène, ils vont tout de suite sentir que c'est des humains en face. C'est pas juste, on n'est pas juste des speakers, on n'est pas juste des acteurs, on n'est pas des acteurs. Nous, on est des vrais gens, on n'a rien de plus que les invités qui vont venir. C'est juste qu'on a démarré l'activité un peu avant et qu'on a un peu plus de recul et on a déjà commencé à voir comment ça marche. On a vu les premiers résultats. Donc en ça, on a juste un peu en chronologie, on a un petit peu d'avance. Mais eux, peut-être qu'ils vont même nous dépasser au bout de 2 mois, au bout de 6 mois, au bout de... Parce qu'ils ont, avec le même business, peut-être qu'ils vont cartonner encore plus que nous. Et nous, on ne demande que ça, vu que ce n'est pas la compétition, au contraire. Donc voilà, donc cet accueil-là, il est magique. Et vous, votre rôle, soit vous faites comme Latifa, vous allez les chercher en covoiturage, soit vous faites comme Monique, vous allez les chercher en covoiturage, soit au moins, quand ils arrivent à l'hôtel, allez les chercher dehors, allez les accueillir, faites-leur sentir que c'est la famille, ils sont les bienvenus, et dès qu'ils rentrent, il y aura sûrement un petit café d'accueil, dès qu'ils rentrent, présentez-leur, tiens, je te présente un tel, tiens, voilà, donc mon invité, donc Latifa, elle fait ça et ça comme profession, elle a découvert un peu les vidéos, elle a bien aimé, tac, donc elle vient découvrir, elle a quelques questions, elle est un petit peu sceptique là-dessus. Mettez tout le monde un peu à l'aise. Ben, écoute, on répondra à tes questions, il n'y a pas de souci, c'est normal, moi aussi au départ. Nous, on sait répondre aux objections, donc n'ayez pas peur. N'ayez pas peur de, quand vous présentez vos invités, de dire tout ce qu'ils ont bien apprécié, mais aussi leur questionnement, leurs doutes, etc. Nous, on a l'habitude pour ça. OK ? À 15h, ça démarre. Donc là, très simple, il y aura dans un premier temps toute une présentation et même des démonstrations pratico-pratiques sur la partie produit. D'accord ? Donc là, on vous laisse la surprise de qui va présenter quoi. Hein. Ça sera la surprise sur place. Mais donc là, vous aurez une super présentation des produits avec des super démonstrations, d'accord, et des témoignages. Ensuite, il y aura une présentation, bien sûr, du plan de rémunération, tout le business plan et bien sûr, tout l'accompagnement avec l'équipe, toute la formation aussi en ligne, tous les accompagnements avec les Zooms, la formation du sponsor. Donc, ils vont sentir qu'il y a vraiment un business, mais qu'il y a toute une équipe qui est là avec un environnement pour les aider. Et bien sûr, plein de témoignages de réussite. Et on aura aussi un bon moment pour que des top leaders de votre équipe puissent aussi partager des messages puissants en termes de leadership, des messages pour les nouveaux qui arrivent et pour vous qui vous lancez, des messages aussi d'encouragement, des messages aussi d'authenticité sur le fait qu'on n'est pas sur un business comme le loto où il y a juste à claquer des doigts et ça marche tout de suite. Non, on est sur un vrai business qui prend du temps. On est sur un business où il y a des stratégies pour gagner de l'argent tout de suite, mais il faut bien les mettre en place si vous voulez gagner de l'argent tout de suite. Il y a d'autres stratégies où on peut gagner de l'argent à moyen terme. Et après, il y a des stratégies où on peut gagner de l'argent, mais ce n'est pas de l'argent, c'est des revenus anormaux, des revenus colossaux sur du long terme. Et tout ça, nous, on est là pour vous dire que voilà, si vous envisagez de monter des gros réseaux, que vous n'avez jamais fait ça, mais vous voulez tout de suite monter des gros réseaux à l'international, c'est possible, mais vous n'allez pas gagner de l'argent tout de suite forcément avec cette stratégie. Parce que pour gagner de l'argent tout de suite, ça passe par la vente. Ça passe par le fait de vendre soit des produits, comme Naïma, hein, je vais vous reparler de Naïma dans un instant, soit vous vendez des produits, soit vous vendez des packs de produits. Okay ? Mais c'est par la vente que vous allez. Et une fois que vous aurez des grosses équipes, là oui, vous allez pouvoir faire du leadership, vous allez pouvoir faire des voyages à l'international pour aller creuser dans la profondeur, travailler avec vos leaders qui sont en 10e génération et tout. Là oui, ça c'est fructueux. Mais au début, si vous commencez à travailler avec quelqu'un qui est en 5e génération, vous investissez des centaines ou des milliers de dirhams pour aller soutenir son équipe, mais c'est génial, c'est magnifique, ça c'est l'accompagnement des équipes, mais ça ne paye pas tout de suite. Si vous avez les moyens de le faire, c'est top, mais ce qui paye tout de suite, c'est de faire une réunion à la maison ou de faire un zoom avec des prospects et de leur parler des produits, de leur vendre des produits.
en faisant des démonstrations. C'est ça qui paye tout de suite. Donc, tout ça, on vous l'expliquera et on l'expliquera à vos invités parce que nous, on n'est pas là pour leur faire miroiter des choses et que c'est super, c'est génial et que non, c'est super, c'est génial, oui, mais voilà ce qu'il faut faire pour y arriver. Et il y aura des challenges. D'accord ? Moi, je préfère toujours annoncer la couleur, être authentique et comme ça, ils sont prêts. Et quand ils s'engagent avec un mindset, avec un état d'esprit de guerrier ou de guerrière qui sont prêts à traverser des challenges, prêts à traverser des choses qui parfois seront difficiles, mais vu qu'elles sont préparées pour le faire, ça ira. Okay ? Et toutes ces choses difficiles ou ces challenges, ces défis, eh bien, le fait qu'on le fasse en équipe, c'est ça qui est génial. Et le fait qu'on le fasse avec des gens qui l'ont déjà fait, donc le fait qu'on le fasse avec, comme si on suivait des gens qui, eux, l'ont déjà fait, ben c'est rassurant parce que ces gens-là peuvent donner des conseils. Okay ? Donc ça, c'est toutes les festivités, en tout cas, c'est toute la présentation business, produits, etc. Ensuite, on aura bien mérité, au bout de deux bonnes heures, une bonne pause, café, j'aurais dû mettre même café gourmand ou café, je ne sais pas comment vous dites au Maroc, c'est un café amélioré, je crois. Sur le devis, c'était marqué café amélioré. C'est-à-dire qu'il y aura bien sûr des choses à manger et tout. On a prévu concrètement pour 100 personnes, mais on s'attend à ce qu'il y ait plus de personnes. Voilà. Mais on sait que les hôtels, ils sont généreux, donc même s'il y a 120, 130. Moi, personnellement, dans mon esprit, j'aimerais qu'on soit 200. D'accord ? Est-ce que les amis, est-ce que vous êtes alignés avec ce chiffre de 200 ? Mettez-moi 200, mettez-moi 100 si vous préférez. Mettez-moi le chiffre que vous pouvez vous visualiser. Est-ce que vous pensez qu'on sera 100, 110, 120, 130 ou 200? Ah, 300, 400. Génial. 150 pour Hassan, super. 400 pour Ella. Ah, Ella, donc ça veut dire que tu viens avec toute ton équipe de Tunisie. C'est ça? En tout cas, tu es la bienvenue, tu le sais. 250, génial. Alors, pour tout ce qui est au-delà de 200, il va falloir qu'on prévienne l'hôtel, qu'ils agrandissent un peu les murs, parce que je crois que la salle, c'est combien taillible la salle? 200 ou 250, je crois. Oui, elle est à 150. Mais la capacité de la salle. On va voir parce que nous, on a dit que 150, entre 150 et 100. Oui. Mais s'il y a le chiffre qui sera augmenté, donc on va voir avec l'hôtel. Est-ce qu'il y a, parce que je crois qu'il y a une autre salle, je crois qu'il y a deux salles qui sont ouvertes, l'un sur deux. Je vais voir, est-ce que Mme Hayat, parce qu'elle est en voyage. Oui, c'est vrai, il y a un déplacement. Parce que c'est elle qui est allée faire les détails. En tout cas, mais même si on va dire même si l'hôtel va se préparer pour au moins 150, et imaginons qu'on arrive à 200 ou 400 comme nous a impulsé. Ouais. De toute façon, qu'est-ce qu'on va faire? Nous, la priorité, c'est qui? C'est les invités. Vous êtes d'accord avec moi? Les invités, on va leur proposer de s'asseoir tranquillement. Et nous, on est des guerriers, des guerrières. On a attendu des années pour ça. On peut rester debout une heure ou deux, il n'y a pas de problème. Donc nous, on se mettra debout sur les côtés, derrière, on mettra le feu. Nous, ce qu'on va faire, on va créer un peu comme une ronde pour envoyer de l'énergie, pour envoyer des bonnes ondes à tous les invités qui vont découvrir ça, qui vont sentir « Oh là là, il se passe quelque chose, je n'ai pas tout compris, mais où est-ce qu'on signe, les amis ?» L'objectif de samedi prochain, on va mettre des ordinateurs partout. D'ailleurs, je vous le dis tout de suite, on vous mettra des messages. Apportez vos smartphones, bien sûr, vos tablettes si vous en avez et vos ordinateurs. C'est quand même beaucoup mieux et plus rapide aux ordinateurs pour faire les inscriptions. Nous, on imprimera aussi des documents papier. Comme ça, vous pouvez remplir en papier. Ça peut être aussi intéressant. Vous pouvez remplir en papier ou c'est un peu comme des bons de commande. Vos invités pourront vous payer en dirham directement et après, vous aurez le temps de faire les virements par la suite. Mais si vous avez directement vos ordinateurs, autant faire l'inscription directe si vous êtes à l'aise. On vous aidera pour ça. Nous, de toute façon, on n'est pas couché. On peut faire nuit blanche pour finir les inscriptions. Il n'y a pas de souci. Mais dans votre esprit, maintenant, on lance l'étincelle. On démarre. Et dans votre esprit, dites-vous que ce n'est pas juste une exposition. Ce n'est pas juste un petit showroom où les gens vont découvrir et puis on verra bien quand est-ce qu'on commandera les produits. Non, là, on fait le vrai lancement et on va… Notre objectif, sans forcer, on n'est pas là pour faire du forcing, hein. Mais les gens seront tellement inspirés, motivés par la prestation collective de l'équipe qu'ils n'auront qu'une envie, c'est de démarrer. Et ils vont pas attendre. Eux, ils veulent démarrer tout de suite. Donc, on prend les bons de commande, on prend les dirhams ou s'ils sont prêts à faire le virement, ils font le virement tout de suite avec leur application et on démarre tout de suite. Okay ? Donc, dans l'impulsion, moi, dans mon esprit, on est 200 et peut-être qu'il y aura quoi, 80 invités. J'ai parti dans l'idée de peut-être 120 distributeurs et 80 invités. C'est une idée qui me vient comme ça, mais on verra les chiffres.
et tous les invités, ils prennent leur pack et on démarre. OK? Donc ça, c'est pendant la pause et tout. On va prendre le temps de déguster, on fera les inscriptions, etc. Et ensuite, on a mis une demi-heure, si c'est une heure, c'est une heure, mais ensuite, il y aura des animations, il y aura des surprises, il y aura des cadeaux, il y aura des petites choses sympas, on n'en dit pas plus. Donc, bien entendu, peut-être qu'il y aura certains invités qui ne resteront pas jusqu'à la fin. Ça, c'est normal, puisque ça fait quand même une longue après-midi. Mais en tout cas, tous les distributeurs, tous les partenaires et certains invités qui resteront avec nous jusqu'à la fin, il y aura des surprises, il y aura des belles animations, il y aura de l'ambiance. En tout cas, faites-nous confiance. Faites confiance aux leaders marocains qui savent faire la fête. Voilà, il y aura ce qu'il faut. Et la fin de l'événement est à 19h30. Quand on dit fin de l'événement, c'est que la salle, bien sûr, il faudra rendre la salle à 19h30. Mais nous, on sera toujours dans l'hôtel. D'accord ? Et nous, on est prêts à faire nuit blanche, entre guillemets. C'est-à-dire que s'il y a des gens qui viennent de Marrakech, d'Agadir, de loin, peut-être ne prévoyez pas de rentrer tout de suite, tout de suite. Peut-être on peut dîner ensemble. Peut-être on peut voir des stratégies. Peut-être avec Monique, on peut voir, OK, cette personne-là, tu peux la mettre à droite. Tiens, hop, ses enfants, ce serait bien qu'ils se mettent ici. Tiens, celle-ci, on va la mettre ici. Tiens, on peut organiser un Zoom pour ton équipe à telle date. Donc, tout ça, c'est la stratégie qu'on va voir ensuite en privé avec chaque leader. Okay ? Et cette stratégie-là, on ne pourra pas forcément la faire devant les invités parce que c'est un peu technique. On pourra la faire le soir, pendant le dîner ou même plus tard le soir. Hein, Taïb, on n'est pas couché, non ? Ouais. Quand on fait des tournées, on ne dort pas beaucoup. Mais pas de souci, on a du PM, on a de la M, du PM, on a tout. Il n'y a pas de souci. Alors, est-ce que j'ai oublié quelque chose, les amis, sur le programme ? Et après, on va faire une simulation d'inscription pour terminer. Non, c'est très bien. Taïb, Amina aussi, si tu as des commentaires, ou Dr Hassan. Non, 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 c'est... Eh ben... Oui, allez-y, Taïb. Non, ça va, j'ai dit, c'est bon, il n'y a rien à ajouter pour moi, c'est bon. Ben, c'est-à-dire, tout est clair, bien détaillé. Et comme elle a dit, Madame Amina, elle a mentionné que la salle peut contenir 500 personnes. Oui. C'est possible, mais seulement puisque maintenant on est entre membres. Voilà, il faut savoir à combien on est autorisé aussi. Ça dépend si ça demande une autorisation spéciale ou pas. Il faut prévoir ça. Donc, comme tu as dit, Mathieu, c'est-à-dire, il n'y a pas de business qu'on connaît dans la vie qui est facile. Même être employé, ce n'est pas facile parce que c'est de l'esclavage, l'emploi, entre guillemets. Allez. C'est un nom propre, c'est l'emploi, mais c'est de l'esclavage. Mais il n'y a pas de business facile. Donc, notre business, la beauté, c'est qu'il est simple. Exactement. Il n'est pas facile, mais il est simple. Donc, il faut savoir apprendre. Et voilà. Et pour l'invitation, j'insiste, le mot invitation, c'est que quand on invite quelqu'un, il y a des critères pour inviter quelqu'un. Premièrement, il faut savoir inviter et créer l'urgence. Parce que cette urgence, c'est la première convention. Les places sont limitées. Parce que quand quelqu'un dit oui, Inch'Allah, ça ne veut pas dire un vrai oui. Au lieu de réserver, faire l'inscription et prendre la place d'un autre, quand quelqu'un me dit oui, je dis oui, c'est sûr. Est-ce que ce oui, c'est sûr? Parce que les places sont limitées. Si jamais tu n'es pas sûr, je peux le donner à quelqu'un d'autre. Le fait de dire « je le donne à quelqu'un d'autre », c'est comme si tu la prends loin de cette personne, il la veut. Quand tu dis « je la donne à quelqu'un d'autre », si tu ne peux pas, parce que les places sont limitées. Et quand il confirme comme quoi c'est oui, confirmé, voilà, on l'inscrit et on continue. Ça, ça nous repose, parce que ça arrive que tu invites 10 personnes et il vient une personne, ou bien une personne ne vient. Si jamais elle n'est pas bien l'invitation, pour qu'on ne soit pas déçu. Voilà, la personne qui invite pour qu'elle ne soit pas déçue. Donc ça, c'est important, créer l'urgence et savoir confirmer le oui. À part ça, je vois qu'on est tous positifs et voilà, on fait les choses comme il faut. Et il n'y a pas de raison qu'on ne réussisse pas avec, bien sûr, la bénédiction de Dieu. Toujours, toujours, on est croyant, la nature, mais c'est le Dieu. Exactement. Donc voilà, c'est ce que j'ai à dire. Merci beaucoup. Non, c'est capital, c'est-à-dire que ces fameuses invitations, c'est comme l'a très bien dit Hassan, ça doit être professionnel. Pour que ce soit professionnel,
faut qu'ils sentent que c'est quelque chose de, c'est une opportunité et que, bah, entre guillemets, vous ne pouvez pas vous permettre d'avoir quelqu'un qui dit oui, je verrai bien ou je ne sais pas trop. Bah, écoute, si tu ne sais pas trop, ça, je peux comprendre. Mais moi, j'ai besoin d'avoir une réponse sûre. Sinon, je peux réserver la place, comme a très bien dit Rassan, à d'autres personnes qui, elles, sont, prennent les choses plus sérieusement, qui, elles, sont vraiment sûres de venir. Donc, ça, c'est top. Après, regardez, si vous avez besoin de petits supports pour l'invitation, vous avez bien sûr le flyer. Donc, ça, vous faites un clic droit, hop, vous faites copier l'image ou enregistrer l'image. Vous pouvez récupérer le flyer facilement. Sinon, de toute façon, le flyer, on l'a déjà mis dans les WhatsApp, on pourra le relancer. Bah, ce flyer, si vous ne l'avez pas demandé à votre sponsor, votre upline. Donc déjà, ce flyer, bah, ça annonce la couleur. Hein. Il y a tout ce qu'il faut. Il y a tous les présentateurs, tous les speakers. Il y a tout ce qu'il faut, première convention. Ensuite, en dessous, je vous ai remis une petite vidéo. Donc celle-ci, de mémoire, dure 2 minutes. Vous êtes marocain, vous êtes marocaine, ou vous habitez au Maroc, tout simplement. J'ai une grande... Voilà, donc là... Vous pouvez vous servir de cette vidéo ou vous pouvez faire votre propre vidéo si vous le souhaitez aussi, bien sûr. En tout cas, utilisez les vidéos. Donc, vous avez déjà la vidéo du docteur Hassan. Demain, vous aurez la vidéo de Amina, etc. Tous les jours, il y aura une nouvelle vidéo. Vous pouvez prendre celle-ci aussi. Et ensuite, si la personne vous dit « Ouais, je veux bien venir, mais dis-moi un peu plus sur le business. » Vous pouvez lui envoyer cette vidéo-là. Celle-ci, elle dure 5 minutes. La plupart des Marocains ont besoin de 2 à 5 000 dirhams de plus par mois. Ça permet de mieux vivre tout. Voilà, donc en fait, c'est une vidéo que j'ai faite spécialement pour les Marocains. Et là, je parle concrètement, je montre en plus un petit peu l'académie ici, le fait que les leaders marocains sont en train de mettre en place différentes académies dans différentes villes au Maroc avec tout un système. Je leur montre rapidement l'Ajles, la marche qu'ils peuvent faire avec l'Ajles en dirhams. Ils peuvent démarrer pour 335 dirhams, la boutique en ligne. Je montre des chiffres concrets, très simples et tout, pour tout de suite, ils disent « Ok, c'est du e-commerce, ok, on a une équipe, on a une académie, il y a des leaders, c'est le lancement, ok, boum. » Au moins, ils ont suffisamment d'infos pour déjà prendre la décision de venir à l'événement. Donc, ces deux vidéos, pour les récupérer, soit vous faites un clic droit, vous faites copier l'URL de la vidéo, d'accord, ou soit bah, vous cliquez sur YouTube, ça va s'ouvrir sur YouTube et vous copiez le lien, hein, ça vous connaissez, vous copiez le lien en haut là, tout simplement, ok. J'ai une grande annonce. Voilà. Ok, donc ça, c'était la page un peu bah, pour bien comprendre l'événement. Maintenant, je vais faire ça rapidement. Ça, c'est très simple. Je vais aller sur s'inscrire. On va s'arrêter là, parce que ça ne passe pas trop long pour ce soir. J'ai cliqué sur s'inscrire. Et bien sûr, qu'est-ce qu'on va faire? On va décider, est-ce que bah, vous, en tout cas, vous êtes partenaire jeunesse. D'accord? Donc, vous allez mettre tout simplement partenaire jeunesse. Vous prenez un ticket pour vous. Donc, ça, c'est normal. C'est bien gratuit. Alors, effectivement, docteur Hassan, il y a des personnes qui ont vu, effectivement, c'est marqué « Les ventes se terminent ». Mais ça, c'est le... Parce qu'en général, tous les événements, c'est payant. Donc, ça, c'est le système. J'ai fait ça avec un système qui s'appelle Eventbrite, eventbrite.fr. C'est un système de réservation, etc. Et en général, c'est fait pour faire payer. Mais bon, là, vu que c'est gratuit, on a quand même mis libre. Libre, c'est-à-dire que c'est gratuit. C'est comme ça qu'ils l'ont mis. Et puis, on a mis 0 euros. Donc, c'est bien gratuit. Vous faites s'inscrire. Voilà. Et la page d'après, ça va vous demander. Bon, moi, c'était déjà enregistré, donc ce n'est pas moi. Donc, ça vous demande votre prénom, votre nom. Votre email, bien sûr, vous confirmez. Et après, vous mettez bien votre URL. L'URL, c'est votre identifiant. D'accord ? Vous mettez ça ici. Et après, vous pouvez cocher si vous souhaitez avoir bah, des informations les prochaines fois qu'on fera des événements. Vous pouvez cocher les deux cases. Enfin, en tout cas, celle-ci, vous pouvez la cocher. C'est pour vous dire que dès qu'on refera des événements, vous aurez les informations. Et ça, vous n'êtes pas obligé. Ça, c'est Eventbrite qui peut vous envoyer des emails s'il y a d'autres types d'événements dans votre région. Ça, c'est peut-être pas obligatoire. Okay, donc, vous faites s'inscrire et ensuite, ça y est, vous avez votre billet. Si maintenant, vous faites ça pour un invité, d'accord, eh bien, vous allez simplement sur invité. Si vous avez même 3 invités, ben vous mettez 3, hein, tout simplement. Donc, 0 plus 0 plus 0, ça fait toujours 0, donc on est bon, d'accord. Et vous allez remplir au fur et à mesure pour les invités. Donc, le premier invité, vous mettez le nom, deuxième invité, etc. Pour les invités, vous renseignez bien le prénom et le nom, ben, si c'est vous qui êtes invité. C'est vous le sponsor qui est invité. Vous mettez votre prénom, nom, et vous remettez votre URL. Pourquoi? Parce que nous, bien sûr, on va vérifier que toutes les personnes font bien partie de l'équipe. Alors, non pas que l'idée, c'est pas qu'on est, on n'est pas contre les autres équipes. Ça, on fera un grand événement quand Jeunesse va organiser avec les autres équipes. Bien sûr, nous, on est content de partager avec les autres équipes. Mais vu que là, c'est un événement qui est organisé par la Jitimbis Academy, la Jitimbis Arabe, l'idée, c'est quoi? Ben, c'est que c'est quand même privilégié pour nos équipes. C'est normal. Donc, si après, il y a d'autres équipes qui souhaitent venir, bon, bah, on mettra quand même la priorité sur nos équipes et on décidera avec le comité d'organisateurs s'il reste des places disponibles, si c'est, on aimerait d'avoir, enfin, nous, on a besoin de savoir qui c'est qui vient.
Parce qu'imaginons que c'est des gens qu'on ne connaît pas, qui ne sont peut-être pas du tout dans une bonne énergie ou qui pour X raison, qui seraient jaloux. Ou qui seraient... Enfin, moi, je ne connais pas les gens. Donc, nous, on connaît nos gens. On sait qu'il y a une très belle énergie. Il y a beaucoup de professionnalisme dans l'équipe. Mais s'il y a d'autres équipes qu'on ne connaît pas, d'abord, s'ils souhaitent venir, il faudra d'abord qu'on fasse connaissance avec eux. Il faudra d'abord savoir s'il y a de la place. Voilà. Donc, nous, on veut d'abord quand même assurer de la qualité sur cet événement. C'est pour ça qu'on va filtrer les entrées. Voilà, les amis. Je pense qu'on a bien bavardé. On va s'arrêter là. Peut-être on peut ouvrir les micros, Taïb, voir s'il y a des questions. Ou. D'accord, tout de suite. J'arrête le partage. On ne va pas faire trop long, mais peut-être on prend 5-10 minutes s'il y a encore une question ou deux. Mais là, vraiment, ça peut être sur des choses très pratiques, hein. Sur des questions. Voilà, tu peux ouvrir ton micro, monsieur, ton micro, il est fermé. Donc. Ah oui, pardon. Donc, je disais, vas-y, Monique, voilà. Si tu veux prendre la parole. Attends. Ton micro, faut que tu actives ton Monique. Micro. Ouais. Bonsoir à tous. Je voulais vous demander, j'ai réservé les 5 billets, mais je les ai mis, comment dire, j'ai mis partenaire 5. Donc, en fait, je vais annuler et je vais en faire une et puis les invités, je vais faire 4 invités, c'est ça? Oui, exactement. Exactement. Ouais, tu vas faire 4 invités. Très bien. Bon, j'ai tout compris. Donc, comme ça, nous, on sait exactement le nom de chaque personne. Ouais. Tout à fait. D'accord. Ça marche. Merci. Génial. Et j'ai hâte. Et t'as hâte. Génial. Mais en tout cas, bravo. L'histoire du minibus, en fait, ça, c'est... Il n'y a rien de tel pour être sûr que tes invités y viennent. Mais oui, oui, puis c'est sympa parce qu'on va commencer dès Marrakech à être ensemble. Et voilà, je voulais faire ça comme un peu comme une petite fête. On va se retrouver entre nous et on va monter ensemble. Voilà. Mais c'est génial parce que je suis sûr que déjà, entre Marrakech et Casa, ils auront déjà envie de démarrer. Donc après, la réunion, ouais. Ça sera juste pour confirmer leur choix. Mais je pense que dans la voiture, tu vas déjà les stimuler, c'est sûr. J'espère. C'est une très bonne idée, Monique. C'est une très bonne idée. D'ailleurs, ça peut peut-être donner des idées aux autres leaders. Si, même si vous êtes à Casa, allez les chercher, vos invités. Même tiens, vas-y, alors, si vous êtes, je ne sais pas s'il y a des transports en commun, ou si, allez le chercher en voiture. Alors, ce qui est délicat, effectivement, c'est que de 13h à 14h, bon, vous serez dans la salle. Mais peut-être vous pouvez aller les chercher à midi et demi. Vous allez les chercher, ils peuvent passer. Écoute, voilà, on va aller sur les lieux de l'hôtel. Tu peux, dans un premier temps, peut-être aller boire un verre ou quoi, dans le lobby d'hôtel ou dans l'hôtel, ou tu peux aller ici là. Et à 14h pile, je viens te chercher. Toi, mais aller les chercher chez eux, c'est toujours top. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Oui, et c'est sûr, comme ça, on peut les avoir sous la main. Voilà, là, t'es sûr qu'ils viennent. Bon, après, si vous avez invité 100 personnes qui habitent dans tous les quartiers de Casa, bon, c'est peut-être pas évident pour aller les chercher. Mais... Génial. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? D'autres remarques ? Génial. Bon, bah, en tout cas, c'est samedi soir. Il est quelle heure ? Il est 21h pour vous. Je crois que nous, on ne va pas tarder à changer d'heure. Donc, je ne sais plus dans quel sens. Je ne sais plus si on va se retrouver avec 2 heures de décalage ou plus que. Je crois que c'est. Non, on ne va plus avoir de décalage, je crois. Non, non, on sera. À la même heure. On sera à la même heure. 2 heures de décalage. Ça va faire du bien, ça. Non, c'est pas ça, Monique ? Vas-y, reprends le micro. Reprends le micro. Un micro. On sera à la même heure. Ah, génial. Ça, c'est top. Oui. Parce que c'est quand même plus pratique. C'est génial. Monsieur Mathieu Menin, on a hâte de nous faire un événement pareil en Tunisie. Alors, là, oui. Donc, redis-moi le prénom. Taïb, tu me l'as dit tout à l'heure. C'est Raouda. Voilà, Raouda. Raouda, bien sûr qu'on va faire aussi en Tunisie. Encore une fois, je ne peux pas donner de date précise vu qu'on n'a pas encore programmé. Mais avec Ella, avec aussi Yosri. Hein, donc, il y a deux belles équipes là. Ton équipe, Raouda avec Ella, je pense, hein, Raouda, tu es bien dans l'équipe de Ella. Il y a l'équipe aussi donc, de Yosri qui se développe bien. Donc, on va réunir les deux équipes, on va faire un bel événement, ça va être magnifique. Quand c'est Allah qui va décider, je ne sais pas encore. Ouais. On va lui demander. En tout cas, moi, j'ai mon focus dessus, c'est clair qu'on va le faire. Voilà, les amis. Mais en tout cas, Ella, Raouda et tous les Tunisiens, vous savez que vous êtes les bienvenus. Hein. À moins qu'il y ait des restrictions, je ne sais pas, au niveau des avions pour aller là-bas ou je ne sais pas, pour passer la Tunisie. Non, c'est possible parce qu'à Nice, il va prendre son avion. Donc, c'est possible. Oui. Qu'ils seront les bienvenus parmi nous. On sera honorés. C'est clair. Donc, je te laisse le mot de la fin, Taïb.
Exactement, c'était une soirée agréable, on a appris beaucoup de choses. Alors, tout le monde, on a bien fait que tout le monde ait hâte de cet événement, de participer. Alors, tout ce que je peux dire à la fin, c'est soyez à l'heure, soyez nombreux et positifs le plus tôt possible. On va faire, Inch'Allah, le travail qu'on avait déjà. On a parlé de ça, ça fait longtemps. Oui, vive le Maroc et bravo, monsieur Mathieu, et bravo à toute l'équipe. Et au revoir, et on se verra à Casablanca le 6 novembre. Bye bye. Yes. Merci. Bonsoir à tous. Merci. Bonsoir. Merci. Bonne Merci, au soirée. revoir. À Au très bientôt. revoir. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Yes. Yes, Ayat. yes, yes. Ayat, je reconnais la voix. Oui, c'est Ah, super Ayat. Bonsoir Ayat. Ça s'est bien placé ton Bonsoir, déplacement? je m'excuse parce que, comme vous savez, voilà, je suis dans une fête Oui. et j'ai Ah. déjà fait deux, j'ai déjà fait quatre prospects des médecins et Ah là, ben je parle voilà. de Alors là, jeunesse. on t'excuse. Et, Je suis tout excusé. Inch'Allah, on se verra tous à Casa. Soyez les bienvenus. Yes. Merci. Bravo Merci. Ayat aussi. Vous nous avez sorti. Je Vous vous pouvez applaudir Ayat qui fait un travail attends. extraordinaire pour toute Bravo. l'organisation avec Amina, Jalil à Casablanca et bien sûr les autres leaders. Ouais. Bravo Amina. Merci. J'ai vu ta vidéo. Et n'oubliez Demain, pas le salut. fameux drapeau. Bienvenue. Salut Salut Malika. Salut! Ça Ok. Viens avec les Voilà. enfants, Malika. Eh oui, Taïb, est-ce qu'on peut... les enfants sont autorisés? Bien sûr. Oui. Sauf J'habite loin je ne sais de pas pour les restrictions. Je ne sais pas comment. Ok, on mettra Bah, parce que c'est si Hayat qui va le dire. se renseigner, Madame Le lundi. Hayat, Hafsa a pour des les enfants. examens le lundi. Eh ben voilà. Je suis désolée. Bon, j'aime les enfants, mais là, c'est comme un travail. La maman, si elle emmène ses enfants, il va être perturbé, alors il Oui. va pas bien en profiter de sa journée. Ça, c'est une Yes. journée spécialement membre. Alors, Exactement. Bravo, venez Hayat. Je venez suis profiter. sans les enfants. C'est vrai, c'est vrai. Venez On aime. profiter et laissez les enfants avec Oui, les c'est vrai. papas. Tu as raison, c'est vrai. Bonsoir, Monica. Bonsoir, tout le monde. Je n'ai pas voulu Bonsoir, venir là pendant tout Monique. le temps. Madame Amina. Bonsoir, Monica. Bonsoir, Hella. Bonsoir, tout le monde. Madame Amina. Bonsoir. Bonsoir. Et Bonsoir. pour Samedi aller prochain. profiter aussi Allez, novembre. Allez, bye bye.